Oh non, je suis enceinte. Vite, il y a quelqu'un qui peut m'aider? Non, il y a personne. Surtout que mes amis travaillent dans cet hôpital. Oh non, autre chose. J'ai perdu les os. Là, il faut vraiment que je parte. Vite, il y a pas de voiture. Je suis enceinte pour la première fois de ma vie. Bon, il y a toujours une première fois. Mais il y a personne à l'accueil. Ah si. Docteur Enid. Quoi? Enid? Oui, bonjour. C'est moi, Enid. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais c'est mercredi? Oui. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, trop bien, mercredi. Tu travailles... Enfin, tu travailles pas ici, t'es enceinte? Waouh, moi je suis médecin. Hey, mercredi. Moi, c'est Tyler. Je crois que tu te rappelles de moi. Oui, je me rappelle très bien de toi, le monstre. Quoi? De quoi tu parles? Arrête de spoiler, c'est pas moi le monstre. Oui, oui, bien sûr. Bref, je suis venue ici pour accoucher. Non mais... Mercredi, tu es enceinte? Mais je suis trop contente. Je vais m'occuper de toi. Oh, félicitations, le bébé, plutôt le ventre, est trop cute. Attends, je te ramène un fauteuil roulant. Oui, fais vite. Et arrête avec tes câlins, ridicule. J'ai pas le temps, fais vite. Mercredi, je peux m'occuper de toi aussi. Un monstre s'occupe de moi, ça me fait un petit peu peur. Mercredi, le fauteuil roulant, c'est pas bon? Mais ça, c'est mieux pour toi. Quoi? Carrément un lit? Oui, on va bien s'occuper de toi. Je te promets, je suis un bon infirmier. Ouais. Allez, on y va. Attendez-moi! De ce côté, on va préparer une bonne chambre pour mercredi. Cette salle-là, je crois qu'elle te conviendrait. Fais voir ça. Oui, c'est bon. Tu peux fermer les rideaux, s'il te plaît? Bien sûr. Attends. Désolée, c'est occupé. Désolée. Je crois qu'il faut changer de chambre. Tu en penses quoi, Enid? Oui, on va... te prendre une autre chambre. Je crois que le bébé va arriver. On va pas attendre longtemps. Allez, mercredi. Je te promets, je vais bien m'occuper de toi. Ouh, un monstre va s'occuper de moi. Oh, il y a quelqu'un déjà ici. Il faut partir ailleurs. Allez. Il faut aller à la salle d'accouchement, je crois. Eh ben dis donc, je pense que je vais accoucher ici. Bon, je vous prépare la chambre. Très bien. Allez, c'est parti. Vite. Pourquoi vite? Je peux savoir? Mercredi! Les gants, c'est pour nous! Désolé. C'est bon. J'espère que ça va aller vite. Et j'espère que j'aurai beaucoup mal parce que je veux pas penser au bébé. Mais pourquoi? C'est mignon un bébé. Et d'ailleurs, c'est qui le père? C'est une surprise. Personne ne le saura. Tiens, prends ça. Médicament. Prends de l'eau aussi. Attends. J'ai des nausées. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux boire de l'eau. Burke, ce médicament, il est pas bon. Désolé, c'est comme ça. Bon, je crois que Enid, il faut commencer, non? Attends, je vais lui faire une petite piqûre. Ça te fera pas mal. Oh, c'est tout? Ça fait pas mal. Bref, et si j'accouchais maintenant? Mercredi, c'est pas toi qui choisis. Désolé, j'ai pas de patience. Je peux pas patienter. Regarde, le gros ventre que j'ai. Des ciseaux, Enid? Oups, désolé. C'est pas des ciseaux que je voulais prendre. C'est pour t'examiner. J'ai besoin de du prélèvement... et d'entendre le cœur du bébé. Tu peux pas ce soir, mercredi? Alors, j'examine le cœur du bébé. Ça va. Par contre, ton cœur, il bat trop vite. Bah oui, c'est la première fois que je suis enceinte. Et c'est horrible à vivre. C'est trop dur. Je pensais que c'était facile. Eh oui, tu verras. Par la suite, ça va être un petit peu compliqué. Et le bébé, tu sais, c'est une fille ou un garçon? Moi, je crois que c'est un garçon. Tu te trompes, c'est une fille. Oh, trop chou! Une petite mercredi. Oh, quelle horreur. Quoi? Non, rien du tout. Moi, j'aime trop les mercredis. Et les jeudis aussi. Génial. Cool pour toi. Mercredi, pas les gants. Désolée, encore une fois. C'est une habitude. Je porte toujours des gants. Oui, mais bon là, t'es à l'hôpital. Fais genre, comme si que tu es une personne normale. Le travail commence, Tyler. Vite. Ah ouais? Alors, c'est bon, allonge-toi, mercredi. Ça va commencer. M'allonger? Mais comment? Essaye, comme tout le monde. Comme ça? Non. Comme ça? Non plus. Voilà, c'est bon. Ne me faites pas mal, parce que sinon, je vais vous faire mal. T'inquiète. Allez, c'est parti. Ouh, regarde, il y a un autre docteur qui est parti. Tant mieux. Là, c'est tes amis qui vont t'aider mercredi. J'ai pas d'amis. Oh, oups, j'avais oublié.
Allez, c'est parti, hop. Allez, on pousse maintenant, mercredi. Attends, je vais faire un cauchemar. Goody Adams, elle est là, j'en suis sûre. Mercredi! Elle est partie, Goody Adams, elle est pas là. D'accord, parce que j'ai peur que d'elle. Elle a l'air mystérieuse. Comme toi, mercredi. Bon, vas-y, va au lit. Très bien. On était à où? À l'accouchement. Ah, sans blague. Allez, pousse. Le bébé va arriver, vite, 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 vite. Allez, mercredi. Allez, ça y est, il est là. On pousse un petit peu. Oh, regarde qui voilà. Mercredi, elle te ressemble pas du tout. Si, elle va me ressembler. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis en train de perdre le ventre. J'ai plus de ventre. Plus besoin de tenir mon ventre. Ça fait du bien. Mercredi, le bébé, tu vas l'appeler comment? C'est une fille. Une fille? J'enregistre l'acte de naissance. Oui, vas-y. Une fille. Passe-la moi. Allez, viens. Toi, comme tu es née un vendredi 13... Oh, j'avais pas remarqué. Elle est née le vendredi 13. Mais je vais l'appeler vendredi. C'est mignon, n'est-ce pas? Viens. J'ai besoin de t'habiller. Ouais, c'est mignon. Taylor, elle s'appellera vendredi. Génial! Moi, j'aurais préféré jeudi, mais bon, c'est pas grave. Comme c'est mon jour préféré. Ouais. Bon, bah, félicitations, mercredi, d'avoir eu vendredi aujourd'hui. Félicitations. Elle est trop belle, vendredi. Merci à vous deux. Sans vous, j'aurais quand même réussi, mais bon, merci à vous. Depuis quand vous travaillez ici? Depuis qu'on a quitté l'université. Oui. J'ai découvert que Taylor travaille ici. Donc je me suis dit, un ami, ce serait sympa. Entre nous, c'est pas un ami, c'est un monstre. Quoi? Mercredi, arrête de dire des bêtises. Bon, viens, on va la laisser toute seule, avec son bébé. Attends, mais dis-moi, comment ça c'est un monstre? Je te dirai tout ça après. J'espère qu'il ne sera pas trop tard, car il dévore les humains. Ah, la blague! Je te crois pas du tout. Allez, profite de ton bébé. Merci. Alors, toi, il faut que tu sois comme moi. Tu me ressembles. Déjà, cette tétine, je l'aime pas trop. Ta peau, ça y est, elle est superbe comme ça. La sucette, celle-là, noire. À partir de maintenant, le noir sera ta couleur préférée. Et tes vêtements, noirs aussi, bien sûr. Et ton nom, c'est Vendredi. Voilà. Vendredi, tu es née ici. Et tu es très mignonne. On va passer un bon moment ensemble, j'en suis sûre. Ta maman va t'aimer, mais peut-être des fois, tu comprendras pourquoi elle est comme ça. Je pense que tu seras comme moi. Et j'en suis sûre. Tu seras comme moi vendredi.